Hey, salut tout le monde, c'est TheGamer, WTF, et on se retrouve pour une petite vidéo surprise, motherfucker. On se retrouve pour la vidéo analyse de Assassin's Creed United. Alors, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo, j'espère que ça vous plaira, et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo dans quelques secondes. Allez, bise! Hey, et voilà, alors on se retrouve pour la vidéo analyse de Assassin's Creed United qui sortira le 28 octobre sur les next-gen, c'est-à-dire PS4 et Xbox One, ainsi que sur PC. Alors, Assassin's Creed, c'est quoi? Assassin's Creed, c'est une licence développée et réalisée par Ubisoft. Surtout développée et réalisée par Ubisoft Montréal, le meilleur studio de Ubisoft, qui crée pour moi les meilleurs jeux de Ubisoft. Voilà, alors on se retrouve pour Assassin's Creed United qui se déroulera dans la ville de Paris pendant la Révolution de 1789. Alors la ville de Paris sera la plus grande ville de tous les Assassin's Creed. Elle réunira la totalité de la superficie de Assassin's Creed, de la carte de Assassin's Creed Black Flag, le dernier qui est sorti en 2013. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec le solo. Alors, le solo sera incarné par un nouveau personnage qui est Arnaud Dorian, qui est un assassin confirmé. Il veut obtenir une vengeance contre les Templiers car les Templiers, pendant la Révolution de 1789, c'est eux qui contrôlent le pouvoir, hein, c'est eux tout simplement qui mènent la danse, comme on peut dire. C'est eux qui contrôlent la richesse, le pouvoir et la nourriture. Et vu que la famine et la maladie règnent dans les villes de Paris à cette époque, notre vaillant assassin Arnaud veut tout simplement arranger cette révolution en tuant les Templiers. Alors les Templiers, bien sûr, ce sont les ennemis des assassins depuis le premier Assassin's Creed qui est sorti. Alors bien sûr, en obtenant cette vengeance, Arnaud veut devenir un maître assassin. Alors, on se retrouve dans une ville de Paris qui, grâce au nouveau moteur graphique appelé Anvil Next, qui permettra une fluidité dans les mouvements ainsi que dans le jeu, elle sera parfaite, la fluidité. Et elle nous permet une nouvelle chose, c'est que dans cette ville de Paris, on pourra voir jusqu'à 5000 personnages à notre écran grâce à ce nouveau moteur graphique. C'est l'un des meilleurs moteurs graphiques sur Next Gen, pour l'instant en tout cas. Tout simplement, dans la ville de Paris, il y aura des reconstitutions des monuments comme le Louvre, Notre-Dame de Paris, ainsi que les catacombes. Ils seront reconstitués à la perfection. À la perfection de cette époque, hein, l'époque de 1789. Voilà. Alors, des nouvelles choses pour notre assassin. Alors, une nouveauté exceptionnelle, c'est la première fois qu'on voit ça dans un Assassin's Creed, c'est que on pourra avoir un mode infiltration. Alors, c'était un truc qui manquait. C'est vrai que sur Assassin's Creed, l'infiltration, c'était pas génial, alors qu'on était un assassin, on savait pas s'accroupir, que maintenant on pourra s'accroupir, comme vous pouvez le voir dans le gameplay que j'ai filmé sur YouTube, hein. Je l'ai pris sur YouTube, je l'ai enregistré avec Fraps, et c'est pour ça que la qualité n'est pas géniale. Bon, ça se verra pas parce que pour moi elle est pas géniale, mais vu que je vais vous faire un montage, je vais mettre la vidéo en 720p ou en 1080p, vous le verrez pas, vous avez juste à cliquer sur 720p ou 1080p pour pouvoir voir la vidéo en haute définition. Bon, c'était la petite parenthèse. Alors voilà, alors pour notre assassin, il y a des nouveautés, hein, tout simplement une nouvelle arme, la lame fantôme. Alors qui c'est comme une petite arbalète, on peut dire ça comme ça, une arbalète de longue portée. Alors c'est pour ça qu'il y aura des nouvelles techniques de combat, hein, tout simplement. Les techniques de combat seront agrémentées tout simplement par un arbre de compétences. Il y aura trois compétences, le combat, l'infiltration et aussi les déplacements. Comme dans le début du gameplay, vous avez pu observer que tout simplement, les déplacements ont été changés, modifiés et améliorés, tout simplement pour la fluidité du jeu. Alors on pourra, à mon avis, pour le combat, avoir des nouvelles armes, pour les déplacements, pouvoir se déplacer plus rapidement, sauter plus haut, des choses comme ça. Et pour l'infiltration, je ne sais pas du tout, vu que c'est tout nouveau. Alors on a appris aussi que dans le solo, on pourra tout simplement accéder au présent, comme dans Assassin's Creed Black Flag, où on avait eu plusieurs missions
sur dans le présent. Alors je pense que ça sera de retour. Bah, c'est ce qui a été marqué sur les forums jeuxvideo.fr et jeuxvideo.com. Alors ce jeu, comme je vous ai dit, sortira le 28 octobre. Voilà. Alors maintenant parlons un peu du multijoueur. Alors le multijoueur, c'est la première fois depuis Assassin's Creed Brotherhood qu'il a été enlevé. C'est-à-dire depuis Assassin's Creed Brotherhood à Assassin's Creed Black Flag, il y avait du multijoueur. Bah maintenant sur Assassin's Creed United, le multijoueur ne sera pas là. C'est une nouveauté quand même, hein. C'est assez exceptionnel qu'ils enlèvent un multijoueur. Et bah non! Non, parce qu'ils ont tout à fait calculé leur coût, ils ont créé un truc encore plus génial que j'imaginais moi déjà il y a quelques temps qui crée ce truc-là, et vraiment ils l'ont fait, bah là je suis super heureux, c'est pour ça que dès qu'il sortira je l'aurai. Alors, le multijoueur sera transformé par un mode coopération à 4 joueurs. On pourra être à 1 à 4 joueurs pour faire des missions scénarisées. Hein, des missions où il faudra tuer un templier, et à 4, bah, ça se jouera plus facilement, mais il y aura aussi beaucoup plus de techniques parce qu'il faudra jouer sur l'infiltration, sinon les missions échoueront. Il y aura aussi possibilité de se balader dans la ville de Paris avec ses 3 alliés, plus nous, ça fait 4 personnages. On pourra se balader dans la ville de Paris et tout simplement s'amuser en faisant des petits jeux, des petits trucs comme ça, des petites balades quoi en fait. Et alors nouveauté, les bâtiments seront beaucoup plus ouverts, hein. Déjà on avait vu une progression quand Assassin's Creed 3 il était sorti, on pouvait rentrer dans pas mal de bâtiments. Bon, dans Assassin's Creed 4 c'était un peu moins possible parce qu'il n'y avait pas autant de bâtiments qu'ils voulaient parce que ça se situait pas vraiment dans une ville, hein. La ville était, il y avait que 2 petites villes et elles étaient pas si grandes que ça. Hein. En 15 minutes, même pas, vous ferez le tour. Que là, dans Assassin's Creed United, je pense que ça sera difficile de faire le tour de Paris en 15 minutes. Hein. Bref, voilà. Alors pour moi, ce jeu, bah, je l'attends énormément. Je l'attends énormément parce que pour moi, ça va être un très très bon jeu. Alors, pendant que je parle, là, vous allez avoir le début de la coopération bah, de Assassin's Creed United. Voilà. Alors, mes impressions sur ce jeu, bah franchement, ils m'ont fait plaisir quand ils m'ont montré qu'il y avait le mode coopération. Après, je sais pas si la fluidité sera au max, si on pourra communiquer avec les autres assassins, si ça sera forcément nos amis, si on pourra jouer avec des gens qu'on connaît pas. Je sais pas vraiment en fait. Voilà, c'est vrai que j'ai pas plus d'informations que ça parce que c'est vrai que bah, sur les forums, etc., souvent il y a eu des mensonges ou des choses comme ça. Mais bon, à ce qui paraît, bah, je suis allé voir sur le jeu vidéo, bah, le forum jeuxvideo.fr, qui ont une conférence privée avec l'un des réalisateurs de Assassin's Creed United, qui lui a révélé pas mal de faits qu'ils ont révélés sur leur site et que moi j'ai pris pour vous faire cette vidéo. Alors bien sûr, hein, notre assassin Arnaud pourra aussi bien aider le peuple comme ne pas l'aider s'il le souhaite, comme vous avez pu le voir dans le mode solo. Il y a des moments où il laisse se faire tuer les gens, mais après c'est vrai que c'est compréhensible, on peut pas sauver tout le monde, hein, même si c'est un jeu, hein, faut l'avouer, c'est vrai que des fois ça nous casse les couilles d'aider les gens, hein, tout simplement. Après au début ça peut être marrant, mais au bout d'un certain moment je pense que ça nous fait chier, tout simplement, pour parler crûment. Bah, je regarde mes notes à peu près que j'ai fait. Je crois que je vous ai parlé de tout. Bah oui, je pense. Oui, c'est ça. Donc bah là, je vais vous laisser sur la fin avec le petit gameplay de la coopération sur bah, Assassin's Creed United. Je vais vous mettre une petite musique toute douce, toute mignonne, pas trop forte, pour que je vous laisse aussi le son de la coopération. Et bah, on se retrouve bah, pour une nouvelle vidéo dans la semaine. Bah dans la semaine, vu que non, en fait, vu qu'on est vendredi, bah plutôt la semaine prochaine. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était The Gamer What the Fuck pour l'analyse de Assassin's Creed United. Si vous voulez des analyses, vous me proposez des jeux, je verrai si j'en ai envie.
et je vous en ferai, ça c'est sûr, en tout cas que la semaine prochaine, vendredi prochain, je pense qu'il y aura une autre analyse sur un jeu, je ne vous dévoile pas lequel, vous verrez bien, et j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos, ça me fait encore très plaisir que bah, vous soyez 25 à me supporter, parce que c'est vrai que je suis totalement con. Bref, allez, je vous laisse les gens, c'était The Gamer, what the fuck, kiss kiss.